Bonjour tout le monde. Bon, avant toute chose, bravo et merci à tout le personnel médical, les personnes qui sont obligées de travailler pour l'approvisionnement alimentaire, merci et bravo. Et pour les personnes qui sont en confinement, bah on va continuer de vivre. Hein. Vous avez remarqué, ça fait un moment que j'ai pas mis de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est parce que j'ai commencé à travailler en partenariat avec France 3. Et je continue toujours ma formation d'accompagnateur, là j'en reviens juste, j'ai passé 5 jours dans... Oula. Eh ben calme-toi, voilà. J'ai passé 5 jours dans la montagne sans téléphone et clairement en redescendant j'ai pris une claque. Je pense que toutes les personnes qui étaient avec moi en formation, on a pris une belle claque. Bref, je vais profiter du confinement pour remettre des vidéos, reposter des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de récits d'ascension, des premières ascensions du pic du Midi d'Ossau, du Vignemale, la plus haute montagne des Pyrénées françaises, réalisée par une femme. Il y a tout un tas d'histoires assez intéressantes que je vais essayer d'illustrer, de rendre un petit peu dynamique. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les régalades que je fais avec France 3. Vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur l'onglet Playlist, et là vous avez une playlist qui s'intitule Les régalades de France 3. Vous cliquez dessus et vous avez accès à tout un tas de régalades inédite. Il y en a une nouvelle qui est sortie là il y a 2 jours. On reste pas uniquement dans les Pyrénées, on va en Creuse, en Corrèze, wow, en Dordogne, enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Donc il y a des choses importantes à faire. Restez actifs. Appelez ses proches. Allô. Allô mamie, c'est Thibaut. Ça fait des bisous mamie. Très, très fort. Je t'aime. À bientôt mamie. C'est important. S'abonner à ma chaîne pour se la régaler, bien sûr. Toujours soutenir les personnes qui travaillent pendant cette période de confinement. Les gars, comment il s'appelle notre pote infirmier qui est parti à l'étranger là? Gilles, il est sur Bordeaux, il est solo. Salut mec, si jamais tu bosses dans le coin et que tu as besoin d'un coup de main pour faire tes courses, dis-moi, j'ai le temps. Ou si tu connais un soignant en galère sur Bordeaux, pareil, dis-moi. Bise. Portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Ciao.